carnet rose pour Jonathan Cohen. Alors qu'il fêtera ses 43 ans la semaine prochaine, l'humoriste et acteur a accueilli son deuxième enfant il y a quelques semaines. Une belle nouvelle pour lui, qui était déjà papa d'une petite fille, révélée ce vendredi par sa compagne, qui a publié une adorable photo sur son compte Instagram. Un bébé arrivé dans la plus grande discrétion. Ce vendredi, la DJ Piu Piu, compagne de Jonathan Cohen depuis plusieurs années, a surpris ses fans en révélant la première photo de leur deuxième enfant, né il y a quelques semaines, et au sujet de qui elle était restée très secrète. Un cliché adorable, plein de tendresse, sur lequel on voit la main du nourrisson dans celle de sa maman. Le prénom ou le sexe du bébé n'ont pas été dévoilés en revanche. Un choix peu étonnant de la part du couple, qui officialise ainsi l'arrivée du bébé sans en dire trop. Tout comme ils l'avaient fait avec leur première petite princesse, née en 2019, si Jonathan Cohen évoque de temps en temps sa paternité, et témoigne de tout l'amour qu'il porte à sa fille Gloria, aucune photo de la fillette n'a jamais été dévoilée. Du moins, aucune photo qui ne montre son visage. Car comme son cadet, la fillette est rapidement apparue ce vendredi sur le compte Instagram de sa maman, qui a également pris en photo sa main aux ongles vernis de paillettes. Meilleur des réveils, a-t-elle simplement choisi comme légende pour les deux clichés. Et on imagine qu'avec leurs deux enfants, le couple doit en effet être comblé. La seconde grossesse de la jeune femme avait été révélée pendant la Fashion Week pour rappel. En effet, après plusieurs photos montrant son baby bump déjà bien rond sur Instagram, elle avait dévoilé sa silhouette de future maman lors d'un défilé en mars dernier en compagnie de ses amis Géraldine Nakache et Marina Foïs. Un show pendant lequel elle avait même défilé, très enceinte, moulée dans une robe noire, et pour lequel elle avait été saluée par Leila Bekti. Ma pioupe d'amour, avait écrit l'actrice. Depuis, Piu Piu a récupéré sa silhouette, comme elle l'a montré ce jeudi soir dans une belle robe blanche. En revanche, n'espérez pas voir le héros de la flamme ou du flambeau déclarer son amour à sa compagne en public, très discret, l'humoriste, qui aime exposer ses amis, ne parle en effet quasiment jamais de son couple. Récemment, il avait seulement expliqué que leur couple avait changé sa perception des choses. Nous avons tous été élevés dans cette culture où tout nous pousse à rentrer dans des moules absurdes. Moi, je pensais que si je n'étais pas tout le temps fort, aucune femme ne m'aimerait. Quand j'ai rencontré Piu Piu, je sortais d'une histoire où il y avait encore ses rapports à la con du prince charmant et Cendrillon. J'étais prêt à avoir une relation différente, plus proche, plus égalitaire, plus saine, avait-il expliqué au magazine Elle. Une relation qui marche en tout cas, puisqu'ils sont aujourd'hui les parents de deux enfants. Et qu'ils ont récemment fait une exception à la règle en faisant une très rare sortie rendant au concert de Jay-Z à Paris. Une soirée pendant laquelle le bébé avait profité de la bonne musique avant même d'avoir pointé son nez.